Oh là là. Bien dormi ? Oh, bon sang de bonsoir. Oh non, j'ai pas bien dormi, là. J'ai pas bien dormi du tout. Petite mine, hein ? Ah bah ouais, non, mais... Non, mais comment tu veux bien dormir avec ça aussi ? Ça me tient chaud, ça me gratte, c'est insupportable. Je comprends pas pourquoi il persiste à faire des pyjamas en coton. Non, mais encore ! S'il y avait que du coton, mais dans le mien, tu sais combien ? Ils m'ont foutu 30% d'acrylique ! Combien tu dis ? 30% ! 30% d'acrylique ? Mais oui ! Mais les malades ! Mais les malades ! Mais moi, ça me fait des plaques ! 30% d'acrylique. Voilà, il y en a déjà, là. Ne prends pas tout le beurre. Hein. Allez, une bouchée pour... Ouais. Je vois plus rien. J'ai trop bouffé, moi. Oh, tiens, j'ai une petite surprise pour toi. Oh non, putain, c'est pas vrai, tu y as pensé ? Écoute, ouais, tu sais quel jour on est ? Ouais. Ouais, ouais. Tu y as pensé ? J'y ai pensé. Oh là là, ça me gêne. Oh ben non, ben écoute. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop choupi. Ah, il est trop choupi. Oh la vache. Joyeux anniversaire, punk! Joyeux anniversaire! Oh là là, merci, Daft! Bah... Tu sais quoi, on le mangera plus tard, hein. Ouais. Ouais. Dis-moi, j'ai un truc à te dire, mais je voudrais que tu me promettes de pas t'énerver. Bah non, mais pourquoi je m'énerverais ? Bah parce que parfois je te dis des choses et tu t'énerves. Bah non, mais alors voilà. Je m'énerve. Tu me promets, hein. Bah oui, enfin. En plus, j'ai été gentil, je t'ai fait un gâteau. Bah bien sûr, c'est pour ça. Voilà, je voudrais savoir de qu'est-ce que tu penserais qu'on refasse un album. Oh non, merde ! Non, tu veux pas remettre ça sur le tapis, enfin! On avait dit, c'est fini, c'est terminé! Tu comprends, pour moi, c'est fini, les Daft Punk! C'est fini! C'est derrière moi, tout ça! J'ai tiré un trait sur tout ça, je veux une autre vie! Mais arrête de gueuler, Jean-Claude! C'était quand même génial! On est devenus des légendes grâce à... Souviens-toi de ce que c'est. Les Daft Punk, c'est ça, écoute. Les Daft Punk, c'était ça. One more time. Les Daft Punk, c'était ça. Bon, eh ben, je te propose un nouveau son. J'ai trouvé quelque chose, voilà, je te propose ça.
On fait ça, ça s'appelle devenir canard. Get ducky. On se met des becs de canard sur les casques et puis on se met des pattes de canard. Ah ouais. Et même des oreilles de canard. Et des oreilles de canard. Laisse-moi vérifier un truc. Ah ouais. Merde. De quoi? Mais merde. J'ai vu, je viens de vérifier, y a pas d'oreilles sur les canards. Oh non, merde. Merde! Non, merde! Ça fout tout en l'air! Ça fout tout en l'air! Ah. Oh. Ça touille toi-même. Attends, c'est bien ça? Attends, refais ça. De quoi refais, tu dois? Refais ça. Attends, je crois qu'on tient un truc là. Attends, vas-y, continue. Ah, merde. Ouais, c'est bon ça, c'est pas mal. Essaye avec la tasse. Ouais, super. Essaye de frotter les tartines pour voir si ça fait un truc. Ouais, génial. Attends, j'enregistre tout. Il est super. Ce logiciel de création de tubes dans lequel on enregistre des bruits et qui nous sort un tube. Je valide mon panier. J'enregistre mon numéro de carte bleue. Et Hunter, écoute ça. Alors, t'en penses quoi? Je pense que je préférais les canards. C'est nous les Daft Punk, c'était Arnaud de sa mère et Ben. C'était un cinquième passage en duo sur le plateau d'On Demande, Caorilla. Et il va falloir noter les Daft Punk. Pas facile d'être un Daft Punk, surtout à l'heure du petit déjeuner. Arnaud, vous serez en tournée à partir d'octobre et à l'Olympia les 8 et 9 février 2014. Et Ben, on vous retrouvera à partir de... Ça vous va vachement bien ces costumes. Merci. Ben, donc, on vous retrouvera à partir de mercredi prochain au point virgule. C'est bien ça? Tout à fait, Jérémy. Très bien. Est-ce que je peux parler d'un truc, Jérémy? Vas-y, Arnaud. Les 13 et 14 juillet, ouais. Je donne rendez-vous à tous les Belges sur le circuit automobile de Spa-Francorchamps, parce que je participe au Pitrophy. C'est une course de coccinelles qui va vite, qui vont vite. Ce sont des coques et ça s'appelle le Bitrophy et j'invite tout le monde, c'est dans le cadre des 25 heures de Spa et j'invite tous les Belges à venir faire la fête sur le circuit avec nous et de voir rouler les voitures, voilà. On découvre les notes du jury pour ce sketch d'Arnaud de sa mère et de Ben. On commence bien sûr par voir la note de Bigard. Qu'est-ce que ça donne? 18 pour Jean-Marie, Michel Bernier. 18 aussi, Anne-Sophie. 18 et Éric Métayer. 18. Et vous êtes d'accord ce soir? Vous êtes bien d'accord, Jean-Marie? Moi, je les adore tellement, de toute façon, ils feraient n'importe quoi, je les adorerais de toute façon. C'est ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de faire, oui, du grand n'importe quoi, ouais. Bien, comme d'habitude. J'ai retiré 2 points parce qu'on ne joue pas avec la nourriture. C'est vrai. Ok? C'est pas vrai. Bien. Rappelons. Précisons quand même, Jean-Marie, que les biscottes et le jus d'orange étaient périmés déjà depuis un petit moment. Michel Bernier, vous avez mis 18. Ah oui? Ouais, comme tout le monde, incroyable. Comme vos copains. Eh ben parce que c'est drôle. Que moi, je crois que c'était les frères Bogdanov qui étaient Daft Punk. Et non, car le menton ne passe pas sous le casque. Non, mais c'est super drôle et tout. Alors moi j'ai pas mis 20 parce que évidemment Arnaud a toujours le problème du sens du rythme, hein, au niveau
Au niveau dansation, au niveau dansature. Ouais, c'est un axe de progression sur lequel il faut que je travaille. Voilà. C'est vrai que. Mais autrement, bravo les garçons, évidemment. Merci. Voilà, c'est. 18, c'est également la note de. Tiens, Eric Métayer, je terminerai avec Anne-Sophie. Eric, 18. Bah. J'ai mis 18 d'abord parce que c'est vrai qu'il y a un moment sublime pour moi parce qu'il n'y a rien, c'est que le jeu de comédien intérieur, c'est le regard de Ben, le casque, en train de le regarder dans le silence total sur la réponse de... Oui. Ça, c'était super fort. Il n'y avait rien, un casque qui regarde un casque, mais on sent... Ça, ça m'a fait vraiment marrer. J'ai failli mettre 12 ouais. pour les revoir. Ah oui. et voilà, donc c'était ça. Et puis non, bah, les deux, je les adore. Je leur souhaite vraiment, encore une fois, bonne route pour tout ce qu'ils font. Je sais que Arnaud a eu le prix du comique et ça cédé. Et ça, merci. Bravo. Merci. Voilà. La SACD est une société d'auteurs. La société des auteurs. Et puis, bah, voyez, ça sentait un peu la fin des vacances. Vous savez, à l'école, quand on nous, bon, le prof est là en disant, écoutez, faites ce que vous voulez parce qu'il n'y a plus de programme. Et que, ouais, tout, tout, voilà. C'est ça. Pour la dernière de l'année, on va venir avec des jeux. Vous savez, comme à l'école, on va faire des jeux. Exactement ça. Ils sont venus avec des jeux et on a joué avec eux. Anne-Sophie, vous avez mis 18, vous aussi, ça vous a plu. Oui, on a adoré. Voilà, c'était hyper drôle. Et puis, moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est joyeux anniversaire punk. Bon, bah là, je suis tombée, quoi. Je suis tombée, ça c'est à mourir de rire. Bravo les gars. C'était Punk et Daft en exclusivité sur le plateau d'On ne demande qu'à en rire. Et nous allons faire le total des notes attribuées par le jury pour ce sketch. Regardons. Ça fait 72 points. C'est la meilleure note pour l'instant ce soir. À un point d'écart avec Donnell Jacksman. Donnell est arrivé à un total de 88. Arnaud de Samir et Ben sont à 72. Combien le public va-t-il mettre pour ce sketch? Quelle sera leur note finale? Qui sera ou seront les grands vainqueurs de cette émission? C'est ce qu'on découvre tout de suite avec la note finale. 72 plus... 18. Arnaud de Samir et Ben l'emportent. Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenus inédits, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non?